et bienvenue. Oui, le décor a changé. Le décor a changé. Nous sommes dans une grotte. Nous sommes dans une belle grotte. Donc, la dernière fois, on avait fait quoi? La dernière fois, on était donc revenu au lac Mystère. On avait chassé un peu. Donc, entre-temps, ce qui s'est passé, il y a quelques jours qui se sont passés en fait. Donc, tada! Deuxième manteau en peau d'ours, tout neuf. Donc on est maintenant à plus 29 degrés, très bien, coupe vent 12 degrés, protection 45, on a un peu baissé. Et sprint, on a seulement 40%. J'ai réparé la plupart des vêtements, hein, donc on est en très très bon état. Donc c'est bien, quoi d'autre? J'ai fait les flèches, j'ai fait quelques trucs et tout ça. Donc j'avais dit, alors pourquoi on est là déjà? Pourquoi on est là? Parce qu'on avait la folie de l'enfermement. Donc du coup je suis allé dormir dans la grotte. Il fait un peu froid. Il y a eu une tempête en fait. Et je crois que le temps s'est pas vraiment amélioré. Donc du coup, bah, c'est un peu embêtant. Ouais, il fait moins 10. Bon, on va voir. Alors, à la base, on devait aller donc au Mont Timberwolf. C'était un peu ça, notre but. Je me suis dit... les gens, ils aiment bien Naruto. Pourquoi on rajouterait pas un filler? C'est une bonne idée. Donc on va pas y aller maintenant au Mont Timberwolf. Non, en gros, ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Alors, j'ai remarqué qu'on avait seulement deux scies au lac Mystère. Donc, c'est pas vraiment top. Et en plus, il y a une scie que j'ai pas mal utilisée, qui doit être à 60 et quelques pourcents. 63, parce que j'ai récupéré pas mal de bois. J'ai plein de bûchettes, en fait. Parce que on avait un très bon temps, donc j'en ai profité. J'ai aussi tué un autre ours, je lui ai mis deux flèches, le truc il est mort, donc c'était pas vraiment super excitant à regarder honnêtement. Un cerf, enfin voilà, on s'est débrouillé, on a fait un petit carnage. Mais on a des poids d'avance. Donc tout ça pour dire que donc nous avons deux scies. Donc une est à 60 et quelques pourcents et l'autre c'est bon dire. Et l'autre, j'aurais dû continuer en fait, au lieu de directement tomber aussi rapidement. Et l'autre, je sais plus trop exactement, soit 90 je crois, 95%. Et nous avons seulement deux boîtes à outils bleus. Donc les bleus c'est les grosses, hein, c'est celles qui valent, qui font 1 kg chacune. Donc on va pouvoir par exemple réparer nos deux... Alors, faut d'abord... Ah oui, j'ai tué un loup aussi qui est là. Voilà, on a tout récupéré. Là, j'ai énormément de bois. J'en ai énormément. C'est un peu absurde, honnêtement. J'ai plus besoin de petits bois. Il y en a plein. Là, par exemple, là, ça, le tas en plein milieu, il y en a au moins une dizaine. Rien que ça. Et après, il y en a plein tout autour. Donc, tout ça, enfin voilà, pour dire. Revenons à nos moutons. C'est que... on va pouvoir réparer donc les deux scies. Donc au Mont Timberwolf, il y a des caisses qui font partie de la cargaison en fait de l'avion. Le Mont Timberwolf qui est là-haut, qui font partie des cargaisons de l'avion. Mais chaque caisse en fait a deux compartiments. Et à chaque fois, il faut scier en fait pour ouvrir. Et le truc, c'est que ça consomme énormément du coup de pourcentage de la scie. Et une fois qu'elle est cassée, bah, je crois que la scie, on peut la jeter en fait, une fois qu'elle est cassée. Donc je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux scies, on va les réparer au maximum. Mais avant ça, on va aussi prendre des caisses à outils avec nous. Genre peut-être une à la minimum, minimum une, et quelques morceaux de métal qu'il va falloir ça aussi récupérer dans la folie. Non, pas dans la folie, dans la foulée. Mais ces caisses, elles sont lourdes. Par contre, nous avions une caisse rouge, donc d'où le filler. À la voie ferrée détruite. On avait laissé une caisse rouge là-bas. Donc les caisses rouges, alors déjà elles vont plus vite pour réparer, si je dis pas de bêtises. Et le poids c'est 0,50 au lieu de 1 kg. Et je crois que les pourcentages aussi de la caisse s'usent moins vite. Donc du coup on peut l'utiliser plus longtemps, si je dis pas de bêtises. Donc du coup ça vaut vraiment le coup d'aller récupérer cette boîte. Et donc du coup bah, c'est ce qu'on va faire. Tout simplement, c'est ce qu'on va faire. J'ai aussi réparé genre la hachette 100%, nous avons là le couteau 100%. Il nous reste une pierre à aiguiser et demie, celle-là à 50%, j'ai un peu réparé aussi ce que j'avais sur moi. On a fait plein de flèches, tiens je peux encore en faire une, j'ai encore une tête. On a fait pas mal de flèches, donc on en a 21 de côté, on a encore deux peaux d'ours. Nous avons après ah oui, j'avais récupéré un loup.
J'avais récupéré un lot, bon je sais que ça sert pas à grand chose. On a plein de boyaux, j'ai fait un peu des fils en plus. On a plein de lapins et oui, voilà. Aussi, alors je pense que beaucoup de gens doivent déjà le savoir, et moi c'est vrai que j'ai pas trop fait attention parce que j'ai l'habitude de poser les objets par terre. C'est que tout ce qui est vêtements, donc là par exemple j'ai mis la cape dans un placard et tout ça, je crois qu'ils arrêtent de... ou alors c'est beaucoup plus lent pour perdre des pourcentages que si vous les laissez par terre. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le sac de couchage dans le tiroir, donc voilà. Et j'utilise pour le moment le sac de couchage normal. Donc ouais, tout ça pour dire que nous allons partir en aventure et on va retourner donc... là-bas à la voie ferrée détruite. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que j'ai regardé, alors je vais un peu m'équiper le temps que je parle, j'ai aussi regardé un peu les polaroïdes où ils peuvent se trouver, donc apparemment donc, on a 11 polaroïdes, hein. C'est écrit là, on a 11 polaroïdes à trouver, enfin photo instantanée. Après je suis allé voir le Wikipédia pour voir un peu où elles étaient, dans quelle zone, parce qu'il y a quand même 13 zones en tout, donc ça veut dire que certaines zones ne l'ont pas. Après j'imagine que des zones par exemple comme... genre le ravin, c'est un peu une zone qui fait pont entre deux grosses zones, donc c'est une petite zone. Donc j'imagine qu'il n'y en aura pas, c'est ce qui est un peu normal vu que c'est une toute petite zone. Et il y a sûrement une autre partie aussi, peut-être l'autoroute vétuste, je crois. Parce que après il y a le site de désolation, après il y a l'autoroute côtière. Vétuste c'est entre les deux, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc j'imagine que ces deux zones-là, il n'y a pas de photos. Mais sur le Wikipédia, ils disent un truc bizarre. C'est qu'ils disent qu'apparemment, il y aurait seulement 9 zones avec des photos. Donc, ça voudrait dire qu'il y ait des zones avec plusieurs photos à trouver. Et ça, j'y crois pas trop. Ça, je trouverais ça bizarre, en fait, qu'il y ait plusieurs photos à trouver pour une seule zone. Parce que c'est pas comme s'il y avait une zone en particulier qui était extrêmement grande. Elles sont toutes plus ou moins pareilles, j'ai envie de dire. Elles font toutes plus ou moins la même taille. Elles sont grandes, mais bon, je vois pas pourquoi on aurait plusieurs photos. Mais voilà, donc apparemment, sur où est-ce qu'on va, donc Muskegmorn, il y aurait une photo à trouver. Et après, la voie ferrée détruite, il n'y aurait pas de photo à trouver. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que le Wikipédia dit. Après, est-ce que le Wikipédia est bien mis à jour et tout ça, et ben, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien, tout ça, honnêtement. Donc... notre péripétie, notre filler, ça va être de retourner à la voie ferrée détruite. Et on va passer par Muskegmorn. Est-ce qu'on va essayer de trouver les photos? Pourquoi pas. Mais d'abord, on va aller directement où est-ce qu'on doit aller et récupérer ce qu'on doit récupérer, ok? D'abord, on va se concentrer. Sinon, nous sommes prêts, donc nous avons 5 flèches, c'est très suffisant, honnêtement. Le pire, ça serait de tomber sur un élan ou un ours. Mais bon, si au bout de 5 flèches, le truc est pas mort, c'est qu'on a un problème. J'ai posé l'antiseptique, donc on a un peu plus de place. J'ai pris des allumettes en plus. Et puis voilà, on va peut-être prendre un peu plus de charbon, à la limite. Parce qu'on va un peu dessiner, parce que la zone... on y était allé, mais il n'y avait pas encore cette mise à jour là de dessiner facilement. Donc on va faire ça. Est-ce qu'on prend donc le sac de couchage, le gros ou le petit? Je dirais qu'on va prendre le gros sac de couchage. On va prendre celui en peau d'ours. De toute façon, comme j'ai dit, on a 2 peaux d'ours. Donc on va pouvoir la réparer assez facilement. On va dormir. On va pouvoir réparer le sac de couchage assez facilement. Et on le fera, bien sûr, quand on partira pour le Mont Timberwolf. Il faut qu'il soit à 100% au moins. Donc, voilà. Voilà. J'espère que le temps sera bon, qu'on puisse avancer rapidement. Qu'est-ce que nous allons prendre d'autre? On pourrait aller aussi utiliser la scie à métaux. Alors à la limite, on va prendre celle-là qui est en bonne et due forme pour éviter de devoir la réparer, celle-là. Et après, on réparera les deux quand on rentrera. Parce qu'en fait, vous vous rappelez où on a laissé donc la... à chaque fois, j'oublie le nom. La voie ferrée détruite. Où on a laissé cette boîte rouge. Il y a la forge, il y a une forge et il y a plein de métal. Donc à la limite,
pourquoi pas prendre le métal là-bas. Et après, on revient ici, donc avec plein de métal. Je pense qu'on est bon, hein. Je pense qu'on peut partir. Oui, je pense qu'on peut partir. Donc voilà, pourquoi ne pas le prendre le métal là-bas? Parce que bon, c'est un peu une zone un peu pourrie, enfin trop loin en fait, c'est en bordure. Et on va pas vraiment y retourner, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on va faire ça. C'est pas vraiment la zone où on va revenir en fait souvent. Et du coup, ça nous évitera d'aller au barrage. Et si vraiment on a besoin d'encore du métal, ben on ira au barrage, le barrage qui est là-bas. Hein. Le barrage, il y a énormément... Carter, voilà. Où il y a énormément de métal aussi. Comme ça, on l'épuise pas, vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, c'est plus facile de revenir sur le centre de la map que d'aller sur une des bordures extrêmes de la map. Donc, autant prendre les ressources sur la bordure extrême. Et garder le centre intact. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un peu d'optimisation. Il fait moins 4. C'est pas mal, moins 4, ça va. Alors on va passer Muskeg Morn en une fois. Hein. On va pas trop s'arrêter. Le seul moment... C'est quoi ça? C'est un caillou. Le seul moment où on pourrait peut-être s'arrêter, c'est sur les rails où il y a les wagons. À la limite, j'imagine, s'il y a un ours, on peut le tuer et récupérer sa peau. Ça serait le plus intéressant, honnêtement. Ça serait vraiment le plus intéressant. Mais après, je vois pas pourquoi on s'arrêterait. Ah, ça va, le brouillard commence à s'enlever. Peut-être qu'il va faire un peu plus chaud. Ça serait bien. Alors après, j'ai fait quelques jours, du coup, avec ce nouveau vêtement-là. Je dois avouer que c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Par contre, le sprint, hein, le sprint est tellement, tellement réduit que c'est pas vraiment utile. Mais bon, on va dire qu'on marche 70% du temps, donc c'est pas très, très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça, j'ai mis la marche auto, comme ça je peux parler sans trop faire attention. Mais c'est quand même embêtant de pas pouvoir regarder à droite, à gauche en changer de direction. Ça, hein, c'est vraiment, vraiment chiant, je trouve. Faut vraiment qu'ils rajoutent un système pour tourner la tête, comme j'ai dit. Maintenir une touche et tourner la tête. Faut vraiment qu'ils rajoutent ça. C'est pas super utile au final d'avoir une touche pour maintenir la course sans ça. Bah, surtout dans un jeu où on peut se faire bouffer les miches, en fait, par un loup ou par un ours, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça pour le moment. On se débrouille avec. Alors normalement cette zone on l'a pas trop marquée cette zone. Ça c'est parce qu'on y était avant qu'ils fassent leur mise à jour. Donc on pourrait passer un peu plus de temps à la marquer. Ça serait intéressant. Alors après j'ai pensé à des zones où pourrait être la photo. Donc il y a trois grosses zones qui me sautent aux yeux. Alors le centre avec les wagons. Après, on a en hauteur, donc en hauteur de la map, donc c'est sur le côté droit. On a une tour qu'on avait vue. Je crois qu'on l'a sur la carte. Je crois que c'est où il y a ce cadavre-là. Et après, il y a aussi une tour là, ou alors je crois qu'il y a une tour là, au surplomb. Et après, bien sûr, il y a la forge. Ça se fait 4, du coup, en fait. Et après, il y a la forge avec la maison et tout ça. Donc si jamais il y a une photo dans cette zone... Normalement, il devrait en avoir une. Donc, c'est possible que ça soit là. Après, j'ai aucun bâtiment qui me saute aux yeux d'ici. Il n'y a vraiment que ça ou... Que ces endroits-là, en fait, que je me rappelle un peu. Mais après, le reste, non.
Donc j'en sais rien. On va encore moins 2. Il fait moins en plus. De moins en moins plus froid. Il fait de moins en moins froid. Il fait de moins en moins froid. Parce que j'allais dire, on pourrait peut-être s'arrêter, mais en fait il fait de moins en moins froid, donc c'est pas très grave. On peut continuer. Bon, là faut faire gaffe, vous rappelez, on avait vu des ours et des loups et tout ça. Alors bon, après, où est-ce que le Polaroid pourrait être ici, quoi? C'est tellement le bordel. J'imagine que peut-être au centre, c'est pas possible. Genre à part là. Mais ouais. Genre ici, on a besoin de... Non, on n'a pas besoin de le refaire. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Ouais, non, on se casse. Sur le toit, peut-être? Vous croyez qu'il y a des choses sur... On peut pas y aller sur le toit. Non, on peut pas, à cause de cette branche, donc on peut pas. Non, 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 y'a rien. Bah après, du coup... bah après, du coup, y'a pas grand-chose, en fait, sur notre chemin, si on continue à suivre les rails. Oh, y'a un ours! Ça, là-bas, c'est un ours. Ok. Ça bouge, on est d'accord? Oui, oui, ça bouge, oui, c'est bien un ours. Bon, ben, on sait qu'il y a un ours. Bah, quand on rentrera, on peut aller chasser l'ours. Voilà. On peut aller chasser l'ours. C'est vraiment pour la peau, en fait. On en a deux. Eh, merde. Il y en a deux. On va faire le tour par là. J'ai envie de dire... parce qu'on a deux peaux à la maison. Donc, il y en a une qui va partir pour rafistoler notre vêtement, notre manteau. Et je dirais que la deuxième va partir pour rafistoler le sac de couchage. Ah, j'aime pas hein, depuis qu'ils ont fait cette mise à jour où la musique coupe comme ça. Vous avez vu, on avait une musique qui commençait et puis là, maintenant, on vient de se faire aggro par un loup et ça change directement. Ah là là, c'est vraiment... J'aime vraiment pas ce truc. C'était pas comme ça avant. Enfin bref. On va éviter les rails. Enfin, j'ai envie de continuer sur ça là. Parce que peut-être qu'il peut pas passer ce con de loup. Je sais pas trop, on va voir. On fait quelques petites expériences. D'accord. Ok. Ok, il peut passer à côté, il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème. Elle est pas là-bas la tour. On est pas près de la tour. Mais j'ai envie d'aller la voir. On va toucher ça. Son histoire n'a pas encore été écrite. Attendez, faut pas se louper non plus. On est quand même sur de la glace qui peut casser. Et ça, c'est quand même un peu relou ici. Si jamais je vois la tour de loin, on y va. Ah. Oh, il y a un truc là.
On va y aller, comme ça on va semer le loup. Ouais, mais on va pas pouvoir... va falloir tourner, en fait. Ouais, il va falloir tourner, ok. Parce que là, ligne droite, c'est... C'est quoi, c'est un loup? Ah non, non, c'est un tronc. Parce que ligne droite, ça va pas le faire. Oh, là, il y a la corde. C'est la... Non, c'est la corde qu'on avait mis, non? Mais elle montait où, cette corde? Je me rappelle plus. À une grotte, peut-être? Peut-être à une grotte. Je me rappelle plus, vraiment. Ah, c'est pas pour aller à Milton? Ah, mais la musique, elle fait une boucle en plus. C'est moche. Par contre, il fait très beau, donc il va peut-être faire bon au bout d'un moment. J'imagine qu'on va pas vraiment avoir froid. Oh, t'es relou, tu veux pas partir? Parce que j'en ai marre de me taper cette musique là. Waouh, c'est bien, c'est accueillant ici. C'est accueillant ici. Ouais, casse-toi. Casse-toi. Ouais, non. Il y a rien d'intéressant. Par contre, on va faire ça. Ah, on aurait dû prendre plus de viande. Quoique non, je crois qu'on avait laissé énormément à manger là-bas, donc on devrait pas avoir de problème. Voilà, très bien. Ah, on a chaud. On a chaud. Ah, par contre, il est de ce côté, ce con. On fait chier. Il me faudra des jumelles. Bon, allez, on avance. Avec de la chance, on va peut-être lui faire peur. Non, ou pas. Non, vas-y, si on fait ça. Ah, très bien. J'avais un peu peur qu'il puisse rentrer, mais normalement, non. Ah non, il va nous roi gros. Non, ça va, il a eu peur de notre sac à dos. Enfin, de notre sac de couchage. Bon, bah, il fait jour. Bah là, du coup, on pourrait bien en profiter pour marquer la map. Bon, on va pas le faire sur cette map, parce qu'il y a trop de loups. C'est chiant. Ça monte, ça descend, c'est relou. On va le faire sur la prochaine zone. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Oh, putain. C'est pas mal, hein, le fait d'avoir ce manteau, en plus. Encore heureux que j'ai vraiment... Encore heureux que j'ai pas dessiné, hein. Bon, c'est bon. Notre petit épisode filler. On est à l'épisode, je crois, 52. C'est... je crois que c'est le plus loin qu'on ait fait en épisode pour The Long Dark. Si je dis pas de bêtises. C'est pas mal. C'est pas mal. Apparemment, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui... Pas beaucoup de personnes qui jouaient ça. Enfin, pas en intrus, en tout cas. Alors, voie ferrée détruite. Alors, je vais voir un peu la map. Ok, donc on n'aurait pas fait de là. On n'aurait pas fait ici, c'est ça? Enfin, l'entrée. Ok, bien.
On va en profiter, hein. Il fait bon, on n'a pas froid, rien. On en profite. On n'est pas fatigué. Alors on va peut-être rester plusieurs jours là-bas, hein. J'en sais rien. On va dessiner sur la... Ah, il y a un cerf. On va dessiner sur la petite dune, là. Mais bon, après, comme j'ai dit, si c'est pas vraiment intéressant, je zapperai des passages. Et après, on ira au Mont Timberwolf. Okay, très bien. Je pense pas faire plus d'un épisode, hein, notre épisode filler. Là, filler. Là, on va récupérer la boîte rouge. Une fois qu'on a la boîte rouge, notre mission est finie, quoi. C'est juste ça notre but. Je sais pas si on est bien placé vraiment. Ah si 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 ça. Ah. Pas de charbon. Se mettre là. Est-ce qu'on pourrait faire ligne droite pour gagner du temps? Ok, pas mal. Ouais, est-ce qu'on peut passer par là? Parce que j'avais dit qu'on pouvait, je crois qu'on peut normalement. Faire ligne droite, mais c'est un peu... Là, c'est bon, on est bon, on est bon, on est passé. Normalement, on peut... Bon, c'est un peu relou, mais... On a fait le plus dur, donc hop. Yeah! Ah, et si on se mettait là, genre au sommet, là. Lui, il peut pas monter, de toute façon. Est-ce qu'on peut se mettre au sommet, comme ça? Ouais, non, non, non. Non, tu veux pas arrêter de grogner là? Tu m'embêtes. Ok, bien. Commence un peu à faire nuit. Là, on y est bientôt. Hein. 5 degrés, on ressent. C'est pas mal, hein? Vraiment, vraiment bien. Alors, après, qu'est-ce qui me manque? Genre, là, il y a le cadavre. Donc, en gros, ça serait ici qu'il faut dessiner. Je crois. Ok. On va aller là-bas. Mec, combien de kilos? Non. 39, très bien. Il faut faire attention, des fois il y a les loups qui traînent. Là, il y a le cerf. Il y a le lapin. Ok, on va prendre le lapin avec nous. Juste pour...
Est-ce qu'on a besoin de dessiner? Non. Juste pour faire appât, si jamais on a un problème. Apparemment, il y aurait des champignons que j'ai pas pris. Enfin, c'est ce que dit la carte, en tout cas. Ah, quoique non, 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 non. La carte, elle a été peut-être dessinée avant. Peut-être dessiner la carte avant. Alors, hop. Après, il y a la voiture. Moteur de la locomotive, voiture, et puis après, on y est. Ah, moteur de la locomotive est là. On peut passer par là. Un chemin, là. Ah, on va peut-être tester là. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui a été dessiné? Rien. J'ai pas fait attention. Oh merde, qu'est-ce qui a été dessiné sans déconner? Ah, je suis en train de passer de là, je crois, non? Si, si, c'est ça. Ici, c'était déjà dessiné, en fait. J'aurais fait en sorte qu'il y a des broussailles et des trucs, des choses comme ça, là. Des... Alors, ça serait un peu saloperie, mais de faire ça, mais... Genre les ronces et tout ça, genre ça déchire. Les vêtements. Mais ça serait quand même un peu saloperie de faire ça. Genre ça là. Mais ça pourrait être une mécanique de jeu. Ça pourrait. Genre si tu veux forcer un peu le truc au lieu de les... Genre de les déchirer, de les couper par exemple. C'est celle où c'est qu'on peut pas bouger, hein, je parle. On peut pas traverser, je parle. Genre... on peut passer à travers. On n'est pas obligé de vraiment les couper, genre avec une hache et tout ça, mais ça déchire les vêtements. Ça pourrait être une mécanique. Bon, on va sûrement avoir du comité d'accueil depuis qu'on est parti. Ouais, j'en vois un. Ah, ça, il a eu peur. C'est le même. Ah, doucement, t'es un peu proche. On va devoir se le faire, sûrement. Il est assez proche, lui. Ok, déjà on rentre. Comme ça, on est tranquille. Tada! Ok, ok, on y est. On a notre fourrure de cerf séché, on a du loup. Loup, ça sert à rien. Mais on a du cerf, ce qui est bien. On va pouvoir utiliser le cerf, je pense. Là, on avait tout pris. Hein. On avait des bois avant, là, on avait tout pris. C'est pas mal de retourner, je trouve, à des camps comme ça, où on est resté pas mal de temps et tout. C'est sympa, je trouve. On a notre lit. Il n'y a rien. Bon, par contre, il y a beaucoup de métal ici, hein, donc on va pouvoir s'amuser. Maintenant, on va aller voir la caisse, si elle est toujours là. Au moins qu'on se s'est fait piquer par un loup. Ok, on va poser ça là. On va poser le bois aussi. Je pensais pas qu'on avait autant de bois, honnêtement. Je suis assez étonné. Alors... Tiroir. On a des allumettes, on a de la ferraille, des tissus. On a les morceaux de plomb. J'entends le loup, hein, dehors. On a des morceaux de plomb, je pense pas que ça soit vraiment utile. Ah ouais, quand même.
Ouais, on était parti, on avait ouais, on avait plein de trucs. On avait tué le loup et l'ours, et c'est à ce moment-là aussi qu'on avait récupéré la, la comment ça s'appelle, la cuisine niveau 5. Donc du coup, on n'avait pas tout mangé. Alors, il est où ce con là? Il vient de le faire. Ah, il est là. Vous croyez qu'on peut d'ici? On s'en fout, c'est pas grave. Eh oh! Eh! Il communique. On a une scie ici aussi, on peut prendre la scie. Donc c'est cette boîte, outil de qualité. Outil de bonne qualité servant à fabriquer et réparer les objets. 100%, 75. C'est pas 50, c'est 75. Mais c'est déjà mieux. Donc là, si on répare... Oups, recycler, non, non, non. Ce serait genre ça. Genre 30 minutes au lieu d'une heure. Donc c'est vraiment pas mal. Et on a une autre scie. Ouais, on va la prendre après le jerrycan. Je crois pas qu'on en ait besoin. Ça, la poudre de sauce, non. Non, là, y'a rien. Y'a que là. Je pense qu'on va laisser tout ça, genre morceaux de plomb. M'étonnerait qu'on en ait besoin vraiment. Ça, on va le garder, on va le laisser aussi. On va mettre le jerrycan. Bon, on va le laisser aussi. On a ça. On va déposer la scie de bonne qualité là. On va la mettre là. Et on va faire ça. Genre c'était à 71% par exemple. Fais voir un peu. Là, on passe 66. Neige. Après, est-ce qu'il pourrait avoir une photo? Objet fouillé. Okay. Une photo, je pense pas. Comme j'ai dit, normalement ici, il n'y a pas de photo. Moi, je serais étonné, mais... Qu'est-ce que je vous dis? Bon, peut-être, oui, c'est peut-être possible qu'ils en aient pas mis, quoi. Mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Ce serait un peu con de pas en avoir mis là. 2h20, 4 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Genre ça, 2h, on en a 6 pour 2h15. Voilà, c'est une étagère, ça me ferait un peu chier de couper une de couper une étagère entière quand même. Parce que bon, j'aime bien poser les choses. Par contre, on va prendre à manger avant. Parce que le temps qu'on coupe les choses, il va sûrement faire nuit. Donc après, on dormira. On va prendre... hop. C'est à 0%, mais on peut le manger quand même. Parce qu'on a un estomac. Pourquoi ce bruit? En aluminium. C'est lui qui a fait ce bruit? Ouais, casse-toi, hein. Je mets des baffes. Par contre, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Et il y a la carcasse aussi du lapin, mais pff, on s'en fout. On s'en fout. Alors d'abord, on va couper les choses. Ah, on peut couper les choses pendant pendant la nuit. Ça, par contre, je sais pas. Genre ça, mais il y a la radio. 1h30. Ok. Oh mon dieu, je vois strictement rien. Ok, oh je vois. Alors, le lit doit être derrière moi. Ok, lit. Donc, c'est pour ça que j'aime pas cet endroit. Chaise métallique. 2h. Bon, on va faire la chaise métallique alors. Ouais, non, c'est impossible sans lumière alors. D'accord.
Ouais, mais elle est pas fatiguée, fatiguée, quoi. C'est un peu embêtant, ça. Faut qu'on fasse de l'eau aussi. Je pensais pas qu'on... Bon, c'est pas grave, on a beaucoup de bois, mais c'est pour le coup d'utiliser des allumettes, en fait. Bon, bref, on va dormir. Après, ici, il fait beaucoup d'aurore boréale. Ah bah, voilà. Voilà, c'est bien. Parfait. Ça, on l'avait lu. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait couper ? Voir le banc. 2h06. Ouh, c'est pas mal ça. Non ! Ah, je te déteste. Bon, on n'a rien perdu, mais... Ah... Je te déteste. On avait presque fini, ça aurait pu enchaîner sur la journée, en fait. Je pensais que ça allait enchaîner sur la journée. Et qu'on pouvait continuer à scier. Bon, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas abîmé la scie, ça n'a rien fait, donc ça va. Mais bon, il y a eu temps perdu, quoi. Là, il va falloir qu'on fasse du feu, c'est relou. Je vois rien. Comment on sort? Là. Très bien. Bon, allez. Allons faire de l'eau. Yay, fun, fun. Par contre, je suis en train de me dire... la foire de serre, est-ce qu'on peut l'utiliser? 89, 93, 97. Pour le pantalon à la limite? Comme ça on refait notre pantalon vite fait. Moi je dis pourquoi pas. Après de ce qu'on avait déduit, il n'y a pas de... Il devrait pas avoir de photo à l'intérieur. Là. Ok, on va faire du feu à l'extérieur et on va coudre nos vêtements et puis... Enfin, notre pantalon et puis on va... je sais pas, on va devoir tabasser des loups, on va devoir perdre du temps à l'extérieur vu que... on doit faire de l'eau. Alors le problème avec scier des objets, c'est que ça prend beaucoup de temps à chaque fois. Ça prend minimum genre 2 heures. Donc faire de l'eau en même temps, c'est un peu une catastrophe, je trouve. C'est un tout petit peu une catastrophe. On fait de l'eau où? On va faire de l'eau là. Bon après, ça devrait pas prendre beaucoup de temps. On a 2 x 2 là, 2 x 2 litres. Ouais, on peut utiliser la loupe en plus, donc ça va. Ça va, ça va, c'est bien. Allez, allume-toi. Ah, très bien. Il y a la chaise. 2 heures. Ah non, mais 2 heures, c'est trop. Non, on peut pas. Alors attends, ça va faire quoi? 40 minutes et après encore 40 minutes. Enfin, 30 minutes à peu près, c'est un peu moins. Qu'est-ce que je fasse, moi, en attendant? Oh. Ah, on a un peu d'eau là. Ah, 1h30. 2h30.
Ah, il y a des... Il y a des buckets. Il y a des seaux. Il y a des seaux à l'intérieur. On peut faire les seaux. Les seaux. 7 heures pour un seau. Ouais. 15 minutes, ça. Après, j'avais dit qu'on allait coudre notre truc. Bref, on va regarder s'il n'y a pas d'autres seaux et après, on va coudre. Je crois que j'en avais vu par là. C'est un moteur. Ça, Bob, toujours là. Derrière, là, là. Oh! Là, les étagères, l'acier serait cool. Un livre. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié le coup des... des bonbonnes. 51-46, ça va. Ah, c'est étagère en fait. Je pensais la porte. J'ai cru que on peut couper la porte. En fait, non. Ah! Waouh, ok. Aveugleman! Aveugleman! Ouais, c'est pas mal ça. Bon, allez, on ressort. Voilà, et là c'est la forge. Avec tout le... Enfin, le... un peu de truc. Un peu de... de charbon. Allez, on ressort, on ressort. À récupérer encore un pied de biche. Pied de biche, c'est pas vraiment utile, honnêtement. Enfin, je veux dire, en général, c'est pas vraiment l'objet utile. Bon, après, c'est pas vraiment l'objet rare non plus. Donc, c'est pas... peut-être qu'on récupère... Ah non, on en a déjà deux. Ça sert à rien. Il est à combien? 84? 100%, on a encore un 100% sur nous. Ouais, c'est pas très... Ouais. Ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a un challenge là avec un feu, il faut le maintenir à, pendant 24 heures. On pourrait peut-être faire ça à la limite. Je sais pas si c'est un succès ou un challenge, un truc. Je me rappelle plus vraiment. Évidemment, on va pas. Ah oui, on va peut-être poser la boîte aussi, elle sert à rien pour le moment. On va pas aller. Utiliser cette boîte, hein. On va la garder pour aller au mont. Timberwolf, on va peut-être, on va sûrement prendre donc les deux scies. Parce que je sais pas combien, genre combien de scies on peut réparer, genre combien de pourcentage en tout avec une caisse à 100%, genre les caisses bleues. Je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. On a combien de métal? 18. Ah oui, j'avais dit qu'on allait coudre. Oh là là. Faut coudre. Enfin, on pourrait le faire quand on part. Mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Nerve. Très bien.
peux prendre la souris et jeter la boule. Ça c'est sûrement des souris à boule. J'imagine. On peut pas jeter la boule sur les loups. Ça sert à rien que. Ça sert à rien qu'on se balade pour le moment. On va continuer à récupérer du métal. Bon, 1h20 à peu près. À 1h ça passe. Genre 1h ça passe. Y'a rien. Oh, y'a. Si on passe 45 minutes à trouver ce qu'on doit couper aussi, ça va être un peu embêtant. heures pour 8. C'est intéressant. Là, on est une chaise, 2 heures. Boîtier de contrôle cassé en métal. Ah bon? Intéressant. Je savais pas. Non, ça je savais pas qu'on pouvait le casser. Une échelle. Ah mais c'est une échelle en bois. Ça, 45 minutes. Ça passe ça, 45 minutes? On va sûrement retourner, il y aura pas d'eau. Bon, je peux dire que mission accomplie, hein. Mission accomplie, c'était pas très très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'irait pas au manoir pour voir si... Non, on avait tout... Je pense qu'on avait tout pris, le tissu. J'allais dire, à chaque fois je me coupe dans mes phrases parce que je réfléchis en même temps. Est-ce qu'on y va pour récupérer du tissu? Mais je crois qu'on avait tout. On avait tout fait. Donc je pense pas qu'il y ait grand chose à récupérer. Ok, donc quand on va repartir, il y a combien de temps de biche encore? 2-3 heures. Quand on va repartir, je pense qu'on va prendre un pied de biche supplémentaire. Je sais pas si on le prend tout ça. Ah ça c'est lourd quand même. Quoi qu'on devrait le prendre en fait pour fabriquer les munitions. Comme ça on met tout ça au lac mystère. Parce que lac mystère est là et nous on doit aller à la critique. La crique lugubre pour faire les balles. Donc imaginons qu'on trouve par miracle des douilles. On en a trouvé des douilles ou pas? Je m'en rappelle plus. On va peut-être tout récupérer et aller à la crique, et enfin le lac mystère à la crique c'est pas loin. Et du coup, enfin non, c'est lac mystère, Muskegmorn et crique. Donc du coup ça fait comme ça. Donc on irait avec tout le matos pour faire des balles et on les fait. Juste pour le fun, même si on n'a pas d'armes, hein, tout comme d'habitude, hein, c'est juste pour le fun. Juste histoire de le faire. C'est pas 4 normalement. Qu'est-ce qu'elle a cette chaise? Parce qu'elle est à roulette, c'est ça? 2h30. 2h24. Ah, tu la fermes? Ah, c'est bien ce que je pensais. Ça va me faire chier lui. Ça va faire lourd quand même. Parce qu'on va prendre la bonbonne avec nous. On a le faitout à récupérer, on a la scie. Ah, le boyau, on s'en fout. Je pensais que le boyau... Euh...
Je l'ai bien pris celle-là. C'était lui qu'on a tué ou pas? J'ai envie de dire oui. Ah non, c'est pas lui. Tu te l'es bien prise, Polo. C'est juste un peu plus loin. On avait vraiment bien dessiné quand même. On s'était bien fait chier à l'époque, mais on l'avait fait. Ok, 22 minutes, on peut faire quoi? Rien du tout. On a combien de métal? 22. C'est pas énorme, 22. On va voir un peu. Genre, regardons. Là, ça serait 30 minutes. Quantité à réparer, 25. Chance de réussite, 100%. Donc, ça donnerait 25%. Ça redonne. Au maximum. Vu qu'on est compétence niveau 100. Oh, c'est quand même vachement bien. Hein. En 30 minutes, avec un morceau de ferraille, on récupère 25% de la scie. C'est vraiment, vraiment bien. Ah ouais, ouais, ouais. Il faut absolument prendre cette boîte avec nous. Comme ça, on sera prêt. Ce sera cool. Non, je vais tester un truc. Si on va pleurer, il y a au moins 2h30 de feu. Yes. Okay. Vous êtes prêts à perdre toute l'eau? Trap, putain. Ouais, c'est bien, ce bien joué. Bien joué. Non, d'abord. Attends, tu vas me donner ça. Cinq. Bon, donne-moi ces merdes là. Voilà, c'est combien là? 10 kilos, ok, très bien. Très bien. Ça c'est ce qu'on va prendre, ça c'est ce qu'on va prendre. Ok. 31%. Elle réduit, elle descend quand même, hein, la scie. Elle descend, je voudrais pas la casser. Voilà, très bien. Ça aussi on va le prendre, ça aussi. Donc on va mettre ça là-dedans. On va tout mettre, tous les objets qu'on prend pour partir, on les mettra là. Comme ça on verra un peu le poids en tout. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourra faire? Ah oui, on a un peu d'eau sur nous aussi et de la viande. C'est pour ça qu'on est un peu lourd, mais on devrait partir, il n'y aura pas de problème. Alors, je vais être honnête, je vais peut-être pas montrer, parce qu'on est déjà à une heure en fait de l'épisode. Je vais peut-être pas montrer le retour. Je sais pas trop, ou alors on fait deux épisodes filaires, mais bon, ça va être le retour. On va peut-être chasser l'ours en fait sur le chemin. Et basta. Voilà, il va pas se passer grand chose en fait. Donc j'ai peut-être pas envie de faire un autre épisode filaire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, filler. Je sais pas trop. Il nous faudra encore un peu de métal. Va dormir. Ouais, je pense qu'on va... Je vais
Ouais, on va mettre fin à l'épisode. Ce qu'on va faire, c'est comme ça. On va faire ça. On va d'abord... Je sais pas pourquoi je fais autant d'eau. Je sais pas. Ça m'amuse, ok? Ça m'amuse de faire autant d'eau. Ça sert à rien. Genre, si jamais on doit noyer un loup, bah on pourra, ok? Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a autant d'eau. J'en ai marre de dire des conneries des fois, putain. Donc, asseyons-nous, voilà, asseyons-nous. Nous avons... Non, on va pas s'asseoir. Nous avons 28 morceaux de ferraille. Je vais aller voir pour s'il y a encore des trucs. Pour qu'on en ait une trentaine, au moins. Un peu plus d'une trentaine. On va récupérer aussi les morceaux de plomb. On va récupérer destructeur de souche et la poudre de soufre. On va prendre tout ça. Plus... ça fait encore un kilo à prendre. Je crois le pied de biche. Ça ferait combien? Ça ferait 8, 9 kilos. 10, on va dire. 10 kilos de plus. Ah non, ça va. Non, ça va. C'est pas énorme. C'est pas énorme. On sera toujours à moins de 45 kilos. Ça va. Ouais, non, ça passe, ça passe. Et du coup, je rentrerai donc avec le pied de biche. Ah oui, la scie aussi. L'autre scie. Pied de biche, caisse, scie. Tout ça. Et on devrait être tranquille. On devrait être tranquille. Donc, ouais, on va faire ça. Et après, donc, bien sûr, il va y avoir quelques jours entre cet épisode-là et le prochain. Donc, moi, je vais rafistoler toutes les scies pour qu'elles soient au moins 100%. Avec les caisses bleues qu'on a. Et après, on ira donc au mont... on ira au mont Timberwolf avec deux scies au moins, comme j'ai dit. Alors après, on peut toujours prendre genre une scie et une caisse, mais le truc, c'est qu'il faut quand même passer à chaque fois 30 à 40 minutes pour la réparer. Et ça, c'est emmerdant. Surtout que mon Timberwolf, je le connais pas trop. Donc on va avoir du mal à trouver des grottes et tout ça, peut-être. Mais voilà. On ira avec deux scies. Je crois que c'est le meilleur. Et après, on prendra la caisse rouge. La caisse rouge qui sera utile. On prendra pas les bleus. Les bleus sont trop lourdes. On prendra seulement la rouge. J'espère que ce sera suffisant, par contre, hein. J'espère que ça sera suffisant. Par contre, c'est le métal. Le métal va être lourd. Hein. Mais bon, on a besoin que d'un morceau de métal à chaque fois. Pour genre 25%. Donc bon. On en prend une dizaine. On en prend une dizaine. C'est pas mal. Ça suffira. Parce qu'il y a une corde à prendre. Quand on sera... au lac, non. Avec légumes, bois ferré détruite, non. Ah, on n'y est pas allé. Tourou de vétuste. La vallée charmante. Pourquoi on n'a pas la vallée charmante? C'est parce qu'on n'y est pas allé? Ah. Vallée de la rivière calme. Ouais, non, on est... Ah, cool. Donc, du coup, on a toute la vallée charmante à faire. J'étais sûr qu'on était allé à un moment. Désolé, j'ai un peu oublié, parce qu'avec tous les épisodes que j'ai fait, puis après, je commence un peu à confondre avec les différentes saisons, parce que, bon, c'est tout le temps les mêmes zones, donc vu que je les connais toutes les zones, c'est... Après, je m'en mêle un peu les pinceaux. On a la vallée charmante à faire. Intéressant. Donc, on fera toute la vallée charmante. Il y a plein de zones à regarder, ça va être cool. Oh, ça va être vraiment, vraiment top. Il y aura toute la vallée à faire, et après on aura le mont Timberwolf. Ouais, on a une bonne... On a du bon, là, on a du bon. Et en plus... Ah, c'est bête, parce que j'ai pas la map, du coup, je peux pas montrer. Avant le mont Timberwolf, il y a une corde à prendre. Donc faudra check un peu notre poids. Mais il y a une trappe, je crois, avec un lit et tout ça.
Donc on ira dedans, on mettra tout notre bordel en fait, genre les scies, le métal, etc., etc. Et après on fera la vallée charmante. Bon, ça dépendra comment ça se passe, hein. Peut-être qu'il fera froid et qu'on se mettra à l'abri et tout ça. Mais on pourra mettre tout notre équipement en fait juste devant le mont Timberwolf. Et après on fait toute la vallée charmante tranquillement, sans se presser, parce qu'en plus la zone elle est assez simple et honnêtement avec nos vêtements je pense pas qu'on aura froid. En tout cas j'espère. Je pense que c'est un peu comme le lac Mystère honnêtement. C'est un peu du même calibre. Vous voyez que là il fait à peine moins 6. Quand on n'est pas... Bon, moins 15. Moins 15 c'est pas énorme honnêtement. Donc je pense qu'on va avoir un moment assez tranquille là-bas. On fera le tour de la zone, bien le tour de la zone. On dessinera tous les côtés, on trouvera le Polaroid aussi. Et après on ira au Mont Timberwolf. Non, ça va être cool. Honnêtement, ça va être fun. Mais voilà, on va s'arrêter là parce que sinon on va refaire encore un épisode où c'est moi qui rentre et c'est pas intéressant. Donc voilà, on va faire ça. Et ouais. Bon, merci à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et on continuera, donc ça sera pour la Vallée Charmante la prochaine fois. Bonne nuit à tous, ciao ciao.